Bonjour à tous, cette semaine nous allons nous intéresser au Téléthon. Vous le savez, c'est tous les ans, c'est la 36e édition. Nous sommes au Tour des Ponts à Épinal, on en parle tout de suite. Nous sommes donc au village Téléthon. Je suis avec Michel Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes coordinateur départemental du Téléthon dans les Vosges. Donc c'est la 36e édition déjà. 36. Et cette fois, contrairement aux deux années précédentes, on retrouve un Téléthon, on peut dire, normal. Bah, la météo est avec nous. Johnny est mort, les gilets jaunes ne sont pas là, donc on retrouve le Téléthon. et surtout le Covid. Surtout oui, le Covid. Hein. Bah oui, c'est mais à ça que je pensais. Avec, hein. La météo est à peu près avec nous. Hein. La météo oui, du mois de décembre, pas, c'est déjà normal. Ça. Exactement. Hein, on est bien. Alors cette année, on retrouve finalement autant d'animations ou plus même qu'en 2019 hein, dans les Vosges. Dans les Vosges, il y en a plus qu'en 2019. En 2019, on était à 100... Globalement, sur les Vosges, on était à 132. Là, j'ai signé le 130e contrat hier soir et j'en attends encore une quinzaine. Ah oui, donc on n'est pas trop mal. On devrait retomber presque sur, sur les statistiques d'avant-pandémie, d'avant tous ces événements. D'accord. Ouais. Et alors, concrètement, là, si on devait en citer deux, trois des temps forts, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire ce week-end? Qu'est-ce qu'il y a de sympa? On a demain, on a un rallye, des baptêmes en voiture de rallye dans un petit village du côté de Châtenois. Okay. C'est à Aouze. Il y a 11 voitures de rallye professionnelles qui vont faire des baptêmes. Ouais. Pendant toute la journée d'aujourd'hui jusqu'à 17h ce soir. Ça, c'est du côté de Châtenois. De l'autre côté, on a le défi 1000 marches, 1 million de marches. 1 million de marches, vous m'avez toujours, fait la même l'année dernière. Je fais la même. Donc on a le défi 1 million de marches à Plombières. Ouais. On a le trail des lois qui reprend de la couleur parce qu'il avait été annulé pendant 2 ans de suite. Ouais. Il reprend de la couleur, donc à Éloi, c'est dimanche. Là, il doit y avoir quelque chose comme 800 participants, quelque chose comme ça. Et puis, on a Épinal. Le Tour des Ponts qui reprend des couleurs un petit peu. Les exposants qui sont là, les pompiers. On va avoir tout à l'heure la Fédération médico-sociale qui va venir avec un stand de bière, de la bière artisanale fabriquée ici en local. On va Ça veut dire que la bière, c'est bon pour la santé ou C'est bon pour la santé, c'est la Fédération médico-sociale qui les propose. Bah oui, si donc je suppose que c'est bon. La Fédération médico-sociale le dit. Il y a aussi le Sicovan qui est là. Il y a le Sicovan, alors ouais. Ça c'est l'opération très importante. Parce que le thème de cette année, le thème de l'AFM, c'est « Colore ton téléthon », c'est la couleur. D'accord. Et justement, le Sicovan m'avait contacté pour me dire « on va customiser des bennes à verre ». Alors l'objectif est double. D'une part, de faire une collecte de verre parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait encore trop de verre qui allait dans les poubelles. Donc ça, c'est l'objectif Sicovan. Et d'un autre côté, appel à la population et puis ils peignent en direct. Les conteneurs vont rester là pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, on pèse le verre et on fait un chèque au Téléthon. Donc autant d'animations qui permettent de sensibiliser d'une part et bien sûr de récolter des fonds. C'est l'objectif. L'année dernière, par exemple, on a atteint combien dans les Vosges? Dans les Vosges, 405 000 euros. Et au niveau national? Au niveau national, 85 300 000 à peu près. On se situait comment? Parce que je me souviens que l'année précédente, 2020, c'était très compliqué, c'était en chute vraiment. Et puis l'année dernière, finalement. Alors, si je compare les différentes années, on était entre 550 000, 600 000 avant 2019. Hein, dans les belles années. Ouais, et puis on a effectivement énormément chuté. L'année dernière, on était à 250 000 euros. Et là, on est repassé à 400. L'année d'avant, 2020. En 2020, oui, je me trompe. Donc, on a plus du double. On a retrouvé. Voilà. On a doublé quasiment. Ouais. Je pense que cette année, on devrait facilement atteindre l'objectif de 500 000 euros. Justement, je me demandais, on sait bien que la crise sanitaire a eu des conséquences. Aujourd'hui, on est en pleine crise du pouvoir d'achat. Est-ce que ça va avoir un impact finalement? Bizarrement, je ne pense pas.
Bizarrement, je pense pas. Les gens sont toujours généreux. Le Téléthon, je pense qu'il y a toujours cette générosité. C'est mon impression. Maintenant, quand j'aurai les chiffres exacts, je vous les communiquerai. Et puis, on verra si je me suis trompé. Mais je ne pense pas. On l'espère, en tout cas. On l'espère, de toute façon. Merci Michel d'avoir répondu à nos questions. C'était avec plaisir. Vous parliez du défi 1 million de marches. Eh bien, on y était l'année dernière et je vous propose de revoir notre reportage. Ah, merci. Marche après marche, le compteur s'est enrichi. Nous sommes à Plombières-les-Bains où l'Amicale des sapeurs-pompiers et la Jeanne d'Arc, le club local de gymnastique, ont monté samedi et dimanche une animation originale au profit du Téléthon. L'idée est venue comme ça dans la ville aux 1000 marches et aux 1000 balcons de lancer un grand défi pour le Téléthon. Un million de marches, c'est énorme, mais en fait c'était vraiment de proposer un défi qu'on n'atteindra certainement pas, mais il en restera encore pour les années futures. Les 62 marches du passage des Capucins à gravir, donc pour faire monter le compteur, 27 fois pour les plus entraînés qui souhaitaient se confronter à l'équivalent de la Tour Eiffel, ou 83 fois pour les plus téméraires qui voulaient s'offrir à moindre frais la muraille de Chine. Laurent Picoche, ex-crosswoman international, et l'ultra-trailer et aventurier Stéphane Brognard ont donné de leur personne en qualité de marraine et parrain de cette première. C'est une initiative forcément, c'est le Téléthon. C'est les Vosges, c'est un petit effort, c'est rencontrer une nouvelle personne, c'est échanger, voilà, c'est se retrouver, c'est l'occasion d'être avec Jack, Laurane. Pourquoi vous avez dit oui? Déjà parce que j'ai fait 6 ans de gym à la Jeanne d'Arc de Plombières, donc j'ai quelques souvenirs de cette salle. Le côté local aussi, j'habite à Bellefontaine, donc tout près d'ici. Bon, les jambes sont bonnes? Oui, là, ça va, pour l'instant ça va, ça dépend combien de montées on nous demande, mais ça va aller, ouais. L'objectif, sans doute trop ambitieux pour une première, de franchir le million de marches n'a pas été atteint. Peu importe, un peu plus de 1000 euros a été collecté au profit du Téléthon et le rendez-vous est déjà pris pour une deuxième édition. C'est le numéro 3, numéro 8. Changement d'ambiance à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Plombières. Nous sommes à Blairville, dans un univers très série télé anglaise. Bonjour, il se passe quoi ici en fait? Alors nous on est en train d'organiser un escape game en fait pour le Téléthon, donc en reversant les frais au Téléthon. Donc là le but en fait c'est de trouver Tommy Shelby, donc on est dans un escape game Peaky Blinders. Donc on est l'association Les Héros du Passé, on fait de la reconstitution historique, donc du travail de mémoire, on représente des soldats de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour le Téléthon, on s'est dit qu'on n'allait pas représenter un truc militaire, plutôt un truc civil. Un escape game costumé, mais aussi des animations un peu partout dans ce village d'un peu plus de 300 habitants proches de Darney. De la sculpture sur bois, des marches, des projections, des concerts, des expositions comme celle dans la crypte de l'abbaye Saint-Maur datée du XIe siècle. Le patron des Lorrains, omniprésent ce week-end, y a fait un petit tour. C'est donc toute une commune qui a vécu à l'heure du Téléthon sous l'impulsion de l'association locale Beau Festival. En fait, c'est pour aussi montrer que c'est bien, on peut faire des trucs en ville, mais on peut faire la même chose en campagne. Et ça fonctionnera pareil, ça fonctionnera dans le même principe, quoi. On peut faire aussi gros, on peut faire aussi sympa, et pas sans forcément les mêmes finances. Voilà quelques exemples de points de chute du Téléthon sur notre territoire. Une 35e édition qui a renoué avec l'organisation d'événements portés par les associations. Quant au bilan chiffré, il fait état de près de 74 millions d'euros de promesses de dons au niveau national, en très nette hausse par rapport à 2020. Le compteur vosgien n'est pas encore connu à ce jour, sachant que le 36-37 reste actif jusqu'à vendredi. Nous sommes de retour à Épinal au Téléthon au Tour des Ponts. Je suis avec Camille Morlot. Bonjour. Alors vous êtes marraine 2022 du Téléthon dans les Vosges. Vous êtes vous-même atteinte de myopathie, trois formes différentes. Voilà, donc je suis un cas un peu spécifique pour la science. Parce qu'effectivement, dans ma famille, il y a myopathie des ceintures, qui est une myopathie génétique, mais qui atteint souvent sur le tard. J'ai un oncle et un grand-père maternel qui l'ont déclenché vers 50-60 ans et qui ont fait partie des premières personnes à aller à Paris dans les années 80 avec le Téléthon. Et aujourd'hui, moi en fait, plusieurs mystères de la génétique ont fait que j'ai trois myopathies. Des signes cliniques pour deux, des gènes pour une autre, mais qui vraiment, à cette heure-ci, n'apparaît pas, heureusement pour moi, j'en ai déjà pas mal. Et donc, je cumule nombreuses pathologies, donc j'aide également les centres de recherche comme l'Institut de myologie à Pitié-Salpêtrière ou l'Institut Pasteur à Nice, qui régulièrement me demandent pour des biopsies musculaires, des examens et autres. Et normalement, je devrais tester également des pistes de traitement au printemps.
Donc je sers un petit peu aussi de cobaye, mais il en faut. Voilà, donc. Alors vous avez plus ou moins suspecté en tout cas la maladie quand vous étiez jeune, vers 10-11 ans après une chute à cheval, mais finalement vous l'avez appris officiellement des années plus tard. Voilà, donc à 11 ans, je m'étais fracturé le bras. Les muscles, en fait, suite à l'immobilisation, ne se sont jamais, on va dire, regonflés. Elles n'ont jamais repris leur place. J'ai jamais eu de force dans le bras. L'épaule est tombée. Et à l'époque, les médecins en local ne pensaient pas que c'était la myopathie de ma famille, car on pensait que c'était que les hommes. Alors pourquoi? Je ne sais pas, une croyance de l'époque. Et donc j'ai perdu des années, parce qu'on a découvert qu'en 2012, mais entre-temps, on m'a arrêté le sport à l'école. Par exemple, au collège, au lycée, je faisais que de l'équitation, ce qui m'a maintenu. Car il faut savoir qu'un muscle de myopathe qui s'atrophie, malheureusement, souvent, on ne revient pas. Sur ce l'idée, c'est de bouger, en fait. Il faut bouger, mais éviter les claquages, les déchirures, parce que, comme les ondes de choc, tout ça, tout ce qui détruit la fibre musculaire, il faut se dire que nous, le muscle, une fois, c'est un peu comme une viande qui va sécher, une fois que c'est sec, et ben, pour l'instant, on commence à avoir des thérapies qui pourraient maintenir. On n'a pas encore les solutions pour toutes les myopathies, et effectivement, quand on est immobilisé, après, ça ne revient pas. Moi, je me suis fracturé le bassin l'année dernière, et ben, à savoir que normalement, on est couché 8 semaines, moi, on ne m'a pas immobilisé. J'ai continué à marcher, à m'asseoir avec de grandes douleurs pour garder la forme que j'ai à cette heure-ci. Alors concrètement, dans votre quotidien, dans quelle mesure ça vous impacte? Vous m'expliquiez tout à l'heure hors caméra que c'est difficile le regard des autres parce qu'on ne se rend pas compte forcément que vous êtes handicapé. Pourtant, vous êtes reconnu handicapé à 80%. C'est ça. Donc j'ai même un niveau d'invalidité au niveau de la sécurité sociale de catégorie 3. C'est le plus haut. Donc en gros, pour eux, je ne peux plus travailler. J'ai travaillé que 4 ans. Et à cette heure-ci, par exemple, voilà, la main là, elle lève que jusqu'ici. Donc tout ce qui est au-dessus, même pour boire, je dois baisser la tête, me laver les cheveux, c'est quelqu'un qui le fait. Là, ce bras-là, il n'y a que la main qui bouge et l'épaule. Donc imaginez tout ce que je ne peux pas faire, comme porter une pagnette ou quelque chose à deux mains. Et les genoux, là, je tiens uniquement parce que les articulations sont verrouillées. Et j'ai des systèmes de compensation qui font que j'arrive quand même à marcher. D'ailleurs, on voit mes IRM, c'est marqué atrophie sévère partout. Ils ne savent pas comment je tiens debout, clairement. Je pense que c'est le mental qui joue énormément aussi. Je me bats au quotidien. Et j'ai pas le droit, moi, de me dire non, demain, je marche pas, il fait pas beau. Il faut que je marche tous les jours pour maintenir, mais pas outrance. J'ai 3 séances de kiné par semaine depuis 10 ans. Un juste milieu, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, moi qui n'étais pas sportive, eh ben. Les séances de sport, maintenant j'en fais 3 matinées par semaine, 1 mois par trimestre en rééducation, ben voilà. Alors, les fonds récoltés lors du Téléthon sont en grande partie reversés à la recherche, et vous le disiez, vous, la recherche, c'est hyper important, notamment aussi pour... Complètement, la recherche, c'est permettre aux malades de trouver des solutions, d'envisager de guérir. Ça fait quelques années qu'on trouve enfin des traitements, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années encore. Et il faut beaucoup d'argent pour payer le matériel médical, les chercheurs, financer comme à Paris l'Institut de Myologie, qui est un service qui a été financé en grande partie par le Téléthon, qui est à la PHP, hein, plutôt de Paris, Pitié-Salpêtrière. Et donc là, c'est vraiment tous des médecins qui gèrent des myopathes. Donc on a vraiment des centres spécialisés à quelques endroits en France. Donc en local, il y a des neurologues à Nancy, mais le gros centre, c'est l'Institut de Myologie à Paris. D'ailleurs, je fais signe à tout le monde, hein, les professeurs qui me connaissent bien là-bas. Voilà. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que moi, par exemple, en faisant des examens, des biopsies musculaires, pour moi, à cette heure-ci, ça fait rien. Mais pour les générations d'après, moi, je souhaite à personne de vivre ce que je vis à cette heure-ci. Et si après, on peut trouver des solutions, ralentir la maladie, c'est en cours, la guérir, c'est peut-être possible. Ben voilà, il faut de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent, on le sait, le matériel médical, le matériel de recherche. Et à savoir qu'avec le Généthon, enfin je veux dire le Téléthon, au niveau européen, au niveau de la recherche, c'est énorme. Voilà, c'est vraiment... Dernière question, donc cette année vous êtes marraine, vous aimeriez profiter de cette position pour faire passer des messages? Alors oui, rien qu'au niveau local, parce que... À la plus grande échelle, ça va être compliqué, mais pour l'accessibilité, sincèrement, on fait des efforts, mais pour moi, si on était à moins 15 il y a 5 ans, on est à 1,5 à cette heure-ci. Faire comprendre que le handicap, c'est une grande étiquette, mais il y a des handicapés qui sont en bonne santé, les myopathes, on est handicapés et malades. Voilà, on est en mauvaise santé, on est malade, et en plus, on a des problèmes de handicap, et mettre une étiquette sur tout le monde, et nous dire qu'un minima social, ben c'est bien, c'est déjà bien en gros qu'on nous donne 500... Vous voulez dire généraliser et donner la même chose à tout le monde, quoi, mettre tout le monde dans le même sac, alors que c'est très disparate. C'est disparate, moi par exemple, je fais du bénévolat parce qu'on ne veut pas me donner quelques heures de travail dans des collectivités ou autres, alors que j'ai des compétences, mais parce qu'on ne veut pas comprendre que je peux être fatiguée des jours que je ne peux pas aller au bureau, je peux travailler de chez moi, et on a beau dire qu'avec le Covid, le télétravail, ça s'est développé, mais par chez nous, il y a encore du retard. Et j'aimerais que dans les Vosges, si on me voit au niveau du conseil départemental, de la MDPH et tout ça, ben qu'on m'appelle parce que j'ai pas mal de petites astuces et aussi des problèmes qu'on pourrait régler.
voilà, ensemble. Et donc, moi, je suis là pour les conseils, il n'y a pas de souci, hein, qu'on fasse appel aux personnes qui vivent ça. Le message est passé. Merci Camille d'avoir répondu à nos questions. Justement, on va regarder un reportage qu'on a tourné il y a quelques semaines parce qu'une chercheuse du Généton, justement, est allée raconter un petit peu ce qu'elle faisait dans son quotidien à des lycéens à Saint-Dié. On regarde et on se retrouve juste après. Les progrès de la science sont fulgurants, mais beaucoup de chemin reste à parcourir. L'opération de sensibilisation à la recherche 1000 chercheurs dans les écoles, initiée par l'AFM, était déclinée ce jeudi auprès des élèves du lycée Beaujardin. Laurine Buscara, qui travaille au Généton sur le traitement des maladies neuromusculaires, est venue les initier aux maladies rares à quelques semaines du Téléthon, cette grande mobilisation en faveur de la recherche qui aura lieu les 2 et 3 décembre. J'en ai entendu parler, mais après, je ne connaissais pas plus que ça, vraiment le but, etc. Bah après, c'est quelque chose de connu, mais voilà, non, j'en avais pas plus entendu parler que ça. J'en avais jamais trop entendu parler, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais je pense que je vais un peu plus m'y intéresser. Bah, j'en ai plus appris aujourd'hui, mais ça reste un peu vague, quoi. Un peu vague et pourtant des postes de chercheurs, mais surtout de techniciens ingénieurs sont nécessaires pour progresser en termes de traitement. Créé en 1990, le Généton, le laboratoire à but non lucratif de l'AFM Téléthon, a fait avancer la science. En 2019, un premier médicament de thérapie génique est inventé. Il en existe 21 aujourd'hui. 40 devraient être sur le marché l'an prochain. Malgré le manque de recul pour l'affirmer à long terme, cette injection permet à ce jour aux patients d'avoir une vie normale. Il y a une évolution très rapide, donc une évolution rapide des techniques, des connaissances. Donc là, c'est vrai que tout ce qui est biothérapie innovante, telle que la thérapie génique et thérapie cellulaire, sont en plein essor. L'apparition du séquençage du génome humain, ça a permis de savoir que certaines maladies provenaient de mutations dans les gènes. Une fois qu'on savait d'où venait la maladie, on a pu commencer à mettre en place des traitements. Et là, maintenant, donc, on en est à la thérapie génique, on va aller modifier l'ADN des personnes malades pour leur permettre de produire les protéines manquantes. Une révolution médicale qui en appelle d'autres est applicable en dehors des maladies rares comme les grands brûlés ou certains cancers. Et pour ce professeur de biologie dont les cours évoluent sans cesse, une ouverture sur le monde. À l'heure actuelle, il y a de l'espoir, il y a des pistes, il y a des méthodes. Donc c'est aussi pour transmettre ce message d'espoir, surtout dans le contexte actuel, que j'ai demandé à faire participer à l'opération 1000 chercheurs. Mais on insiste bien sur le fait que n'importe qui peut être concerné par ces problèmes de maladies génétiques. Et donc même s'ils n'ont pas une vocation scientifique, il y a un domaine humain qui peut les concerner. Il existerait 6 à 8000 maladies rares, la moitié touche des jeunes de moins de 19 ans. Elles concerneraient 3 millions de personnes en France, pays où les traitements de thérapie génique qui coûtent 1 million d'euros par patient est intégralement pris en charge. Les opérations du Téléthon seront déclinées comme chaque année un peu partout dans le département début décembre. On se retrouve quelques heures plus tard, il fait désormais nuit, nous sommes à Desvillers, au centre socio-éducatif. Je suis avec Marie-Yvonne Aubertin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole pour l'association Un Arbre pour la Vie, Des Arbres pour la Vie. Et vous collaborez au Téléthon ici à Desvillers. Alors qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Eh bien, on organise un petit Téléthon. C'est un collectif d'associations. Hein. En fait, la plupart des associations de Desvillers sont représentées. D'accord. On participe à leur manière. Travail collectif, voilà, donc. Travail collectif, voilà. Alors, c'est une randonnée, c'est ça, organisée en nocturne. L'idée, c'est de s'équiper, c'est ça? Dites-nous un petit peu. Voilà, oui, ils ont un petit parcours. Les gens arrivent, payent une petite cotisation. Ouais. Et donc, après, ils font leur petit parcours. Au cours du parcours, il y a un petit chalet, il y a un petit accueil avec une dégustation de soupe et des petites... Le petit temps convivial. Voilà. Qu'il faut préciser que c'est une randonnée donc, de la Saint-Nicolas, c'est ça? Et il y a Saint-Nicolas donc, là-bas qui attend. C'est ça. Qui attend, c'est la petite récompense des enfants aussi. Voilà. Donc ça fait combien d'années que ça existe ici? Ça fait bien 13-14 ans, oui. Et ça marche plutôt bien. Marche toujours, plus ou moins, hein, ça dépend du temps. Mais oui, bien sûr. Voilà. Là, vous avez combien de personnes, par exemple? Là, on a plus de 100 personnes, là, pour l'instant. Il n'y a pas encore... Et donc, la participation, je rappelle, qui est reversée au Téléthon, vous demandez combien, par exemple? On demande au minimum 5 euros par adulte et 3 euros par enfant. Voilà, et puis...
Et puis après, les gens peuvent déguster, bien sûr, des pâtisseries. Ben, après, c'est payant aussi. Hein, la bah, c'est normal, hein, c'est voilà. tout est reversé. Tout est payant. Les pâtisseries sont faites par des bénévoles, par des gens des associations. Ceux qui ne peuvent pas venir marcher participent à leur manière. Voilà. C'est important d'avoir des événements comme ça aussi dans des villages plus petits autour du Téléthon. Ah oui, je trouve, parce que ça fait participer de faire un acte bénévole dans les associations, avec plusieurs associations, en regroupant... Puis ça mobilise important. Les gens du village. Oui, et également. Puis c'est multigénérationnel. On a des enfants, on a des personnes plus âgées. Voilà, c'est vraiment... Un moment convivial, donc. Oui, très. Merci, Marie-Bonne, d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Parmi les nombreuses compétences qui peuvent être attribuées aux communautés d'agglomération, il y a celle des équipements sportifs. C'est le cas du gymnase Maurice Barrès de Charmes, dont le sol a été entièrement refait le mois dernier pour un montant de 70 000 euros. D'autres travaux sont à prévoir dans l'agglomération spinalienne. Le gymnase de la Vosges-les-Bains va par exemple bénéficier d'une restructuration complète. Les vestiaires du stade de football de Nomexis seront refaits début 2023, alors que les travaux du stade synthétique de Vincé, eux, se terminent. La communauté d'agglomération d'Épinal gère notamment 36 terrains de football et 10 gymnases. D'étranges figurines dans de drôles de bulles et des guirlandes qui scintillent. Voilà qui fleure bon les fêtes de fin d'année. C'était ce vendredi soir, l'inauguration du village de Saint-Nicolas, place Pinault à Épinal. Ouais, bravo ! Jusque fin décembre, animations, gourmandises en tout genre, vins chauds et artisanat d'art vous attendront dans les chalets disposés à cette fin. Et puisque l'on évoque l'évêque de Mire, ce vendredi soir toujours, mais à Thaon-les-Vosges cette fois, il était déjà en tournée. Le rendez-vous était fixé à la mairie avant de déambuler dans les rues thaonnaises, mais aussi celles d'Oncourt et de Giremont, afin de toquer aux portes et de distribuer aux gourmands quelques friandises. Un avant-goût du traditionnel défilé qui aura lieu ce dimanche en fin d'après-midi à Thaon, alors que celui d'Épinal va lui débuter dans quelques minutes, retransmis en direct sur Vosges Télévisions. Quelques notes de jazz pour donner le ton de la saison artistique du conservatoire Gautier d'Épinal qui était présenté lundi soir au théâtre municipal, avec donc ce concert d'un quintet de professeurs du conservatoire à rayonnement départemental qui vient se doter d'une nouvelle direction. En quelques chiffres, le conservatoire c'est 2,5 millions d'euros de budget global pour 826 élèves inscrits, 53 professeurs, 51 disciplines enseignées dont l'art dramatique, et depuis la rentrée des cours décentralisés à la Vosges-les-Bains et Certigny pour tenter entre autres de maintenir la tradition des fanfares locales. A noter encore qu'un département musique amplifiée devrait voir le jour la saison prochaine. Premier rendez-vous de la saison ouvert au public, le traditionnel concert des lauréats qui aura lieu vendredi prochain à l'auditorium de la Louvière. Soyez créatifs et recevez en retour un cadeau. À l'office de tourisme d'Épinal au centre-ville, c'était l'ouverture ce jeudi d'un concours sur ce thème d'actualité en période de fête, le sapin de Noël. Jusqu'au 24 décembre, chacun est invité à fabriquer une suspension et à venir l'accrocher sur ce sapin, conçu à partir de peupliers vosgiens par le Xylolab, l'atelier de bois partagé d'Épinal. Pour la première édition de ce concours, les décorations doivent être composées d'éléments collectés dans la nature, feuillages, cocottes, branchages ou même en recyclant des rondelles d'orange. Sur place à l'office de tourisme, des cadeaux attendent les participants qui seront récompensés en fonction de la qualité de leur travail. Ce concours se déroule également dans les offices de tourisme de Charmes et de la Vosges-les-Bains. Ils étaient, eux, réunis dans un silence religieux pour écouter des œuvres pas très catholiques. Et pour cause, il était dimanche dernier question de musique baroque à l'église Saint-Étienne de Vincé. Une grosse centaine de personnes assistaient en effet à l'un des concerts de l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image, réunis autour de la soliste Anna Göckel, violoniste à la renommée internationale, et qui était de passage dans les Vosges à l'occasion des concerts de l'Avent pour participer à cette veillée musicale baroque. Après avoir dispensé une masterclass, elle a donc mené de son archet les 2 heures de programme. Corelli, Telemann ou Bach, entre autres, étaient à l'honneur pour résonner sur ces vieilles pierres. Prochain concert de l'ensemble orchestral La Belle Image, le 14 janvier 2023 à Golbey.
Voilà de quoi terminer cet hebdo de manière gourmande. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, le Téléthon, ça dure encore quelques jours. N'hésitez pas à faire vous aussi un don au 3637 ou sur le site internet. Quant à nous, on se retrouve très bientôt.